alors la 25e édition de la Coupe Al-Amrim se joue cette année sur le Royal Golf de Dar es Salaam. Donc qui verra la participation de 26 joueuses de plus de 30 nationalités. Donc nous retrouvons la tenante du titre, hein, Jenny Hagling, Laura Davis, Noria Itorios qui a déjà gagné cette édition, Becky Brewerton et bien entendu beaucoup d'autres joueuses, et ainsi que la participation marocaine, donc la proète Maha Hadjioui, ainsi que deux amateurs, Lina Belmati et Intissa Rich, qui vont aussi donc représenter le Maroc pour cette édition. Écoutez, les deux amateurs sont invités, hein, ils ont une wildcard pour pouvoir jouer ce tournoi. C'est aussi une possibilité pour elles d'avoir un peu d'expérience sur le circuit et de jouer avec des joueuses à haut niveau. Alors la particularité de cette année, c'est qu'en marge de la Coupe Al-Amrim et du Trophée Hassan II, il y a une action sociale donc pour la première fois. Donc il s'agit d'une vente aux enchères silencieuse qui est organisée au sein même du Royal Golf de Dar es Salaam. Donc il y aura la vente de quelques toiles de 2 mètres donc, qui seront là. Et puis les fonds iront vers la fondation Mohamed V. Il y a aussi la participation des joueurs des pro-ams. Donc les amateurs, à chaque fois qu'ils feront un birdie, eagle ou albatros, donc des coups en moins, ils vont devoir payer un petit chouïa pour participer donc à cette action de solidarité.